Début de rediff laborieuse, j'ai pas appuyé sur les bons boutons. Et oui les gens, bienvenue sur frappestjeux.fr ou sur mon blog it63.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur Lego Worlds. Nouvelle rediffusion de live en fait, on est en live tout de suite, oui, en live. Et du coup, on a commencé à construire un château il y a fort longtemps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lego Worlds, c'est un jeu où on peut construire brique par brique son environnement, faire son personnage comme on en a envie, etc. etc. Je préfère le jeu de nuit quand même, il est plus joli. Coucou YouTube. Vraiment, pour envoyer point d'exclamation élu, ça fonctionne. Maintenant. Et ça se voit sur l'écran. J'ai l'impression que ça rame un peu, mais je pense que c'est ma caméra. Bah en fait, les jeux mobiles peuvent être bien, mais du coup, c'est juste une question de goût dans le fonctionnement et tout. Voilà, ce qu'on parlait des OP, avant que j'en se la rediff. Et du coup, le truc, c'est que je pense pas que les jeux mobiles soient mauvais ou autre, mais ça, quand t'as l'habitude de jouer à d'autres types de jeux et autres, que t'as pas commencé avec ça, j'avoue que le rythme et qu'un bon nombre d'éléments font que je trouve ça aussi assez désagréable sur un fonctionnement. Mais c'est parce que je suis habitué à autre chose. On avait commencé à construire là-haut, et je disais que je voulais faire une arche là-haut, avec une tour au-dessus. Bon appétit, tu sais ce que tu vas manger au moins? Fais-nous rêver. En fait, le sub élu, j'ai supprimé. C'est que des points d'exclamation élus et je prévoirai d'autres choses pour les gens qui sont sub. Du coup, on essaiera de prévoir des visuels différents. Ah. Moi, j'ai rien. Je me débrouille. Du coup, j'ai plus de pâte à tartiner, j'ai plus de chocolat, y a rien, j'ai plus de gâteaux. Ah si, on a les gâteaux que nous a envoyé Dragnor. S'il en reste, mais il faut que je le garde parce que ça sert aussi à faire les chocolats chauds. Du coup, il faudrait que je me lève, il faudrait que j'aille à la cuisine et tout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai fini mes gâteaux. Il y en avait moins quand on a commandé, du coup j'en ai reçu moins, du coup j'ai déjà tout bouffé. Et pareil pour la pâte tartinée, en général, j'ai deux pots. Ben là, ils m'en ont envoyé qu'un, il n'y avait même plus les pots que je prends d'origine, donc j'ai eu un pot de Nutella. Voilà, et c'est tout. Oui, Eb. Il ne reste plus rien. Du coup. Je disais que je voulais essayer de faire une arche ici. Alors attends. Supprimé. Attends, faire où est la porte? Ça, c'est le truc ici. Ça, c'est centré. Donc, celui-ci sera à peu près centré, c'est ça? Ouais, non. J'ai l'impression qu'elle est vraiment décalée, mon arche. Bon, si déjà, j'essaie de placer des blocs de deux, là. Des blocs comme ça. Et je prendrai cette couleur-là. Mais d'ailleurs, je peux laisser de la musique, en fait, je suis bête. Ça va pas s'entendre dans la rediff, normalement. Il me reste, par contre, si de la... Du sirop d'érable, tout ce que t'avais envoyé. Mais du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de me faire des crêpes après m'être levé et tout, donc... Je me trompe de bouton. Je pense que là,
Voilà. J'ai l'impression que... c'est pas très centré. Quoi que si ça a d'aller là. Au vent des landes de pierre, autour des lacs. Et mais c'était fou. Bon l'heure du coup, t'avais mis bon appétit. Sont les annonces que les éditeurs de jeux, comment ça? J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Bah on a reçu moins de choses que d'habitude, tout simplement. Je me suis fait avoir. Là, par exemple, j'avais commandé des bonbons crocodiles, et ben il n'y en avait plus. Du coup, ils m'ont mis des bonbons... ils m'ont mis des bonbons... qu'on appelle ça? Attends, du coup... Là... Je crois que c'est comme ça. Bon, faut encore que j'enlève un petit peu ici. Là, pareil, là. Ah, par contre, avoir les deux musiques en même temps, c'est pas... Top. Et du coup, alors attends, on va prendre cette brique là. Voilà. Voilà. Du coup, ça donne une sensation d'arche là-haut. Et Ah, les agences, oui, je vois ce que tu veux dire du coup, oui, je suis d'accord. J'aime tellement le jeu de nuit au niveau des reflets, des ambiances. C'est normal qu'il n'y ait pas de lumière là-haut. Hein. Voilà. Regarde, donc là, normalement, t'es censé arriver en calèche, par exemple. Il y a les herses là-haut et tout. Et là, il faut que tu descendes de ta calèche. Et que t'arrives, que t'ailles parler au monsieur qui est censé être ici, mais il a quitté son poste. Voilà, qui est le point d'entrée. Si t'es à pied, tu traverses par là. Voilà. Et t'arriverais dans la cour ici. Même si, en fait, du coup, pour éviter que tu sois trop surpris en arrivant, il y a un mur en face, là, comme ça. Ce qui fait que tu seras obligé de faire le tour du mur pour voir un château géant en face. Tu vois ? Et du coup, et sinon, t'avances avec ta calèche par le chemin qui est ici. Et après, t'arriverais dans une grande place. Peut-être qu'on mettrait des marchés au centre. Et il y aurait des maisons sur les côtés. Et au bout, là-bas, un château. Tu vois. Mais je trouve que le jeu est très, très joli. De jour, j'aime moins parce que je trouve qu'il y a moins de contraste. Et moi, j'aime le contraste. Mais là, tu vois, comme ça, là. Genre, tu peux tout construire. Je trouve ça super joli avec les briques et tout. Les reflets. Regarde, là, les reflets quand on va là-bas. Regarde. T'as vu comment c'est joli? Voilà, ça. J'aimerais tellement qu'ils refassent un jeu Lego. Et donc oui, c'est normal qu'il n'y ait pas de lumière là-haut, parce que je me dis, imagine qu'on soit attaqué. Si on met de la lumière de l'autre côté des trucs, on voit s'il y a des gens qui sont en train de passer la tête devant les remparts, là. Derrière qu'on appelle ça? Les trucs? On appellerait l'allée aux grandes statues, aux pleines statues. Ouais, ben voilà. C'est ça. Mais là, il faudrait qu'il y ait un château immense en fond sur une immense montagne. Alors on peut construire jusqu'en haut des nuages, hein, même au-dessus des nuages. Et bien sûr, on peut descendre bien profond. Là, j'ai pris un terrain plat, mais normalement, il y a des biomes et tout. On peut commencer à construire des villes et des trucs directement dans les biomes. Il y a quand même pas mal d'objets, hein, mine de rien, avec des sets d'armes et tout. Menaçante au loin là.
La ville s'allume rien que pour nous quand on avance. Pardon. Alors attends. Ce qui serait peut-être pour Maël. Je sais pas trop comment je me débrouille là-dessus. Peut-être que j'aurais mieux fait de faire l'arche plus haute, plus grande au milieu là. Genre un truc qui montrait plus haut. Qui donnera un mouvement encore différent. Et coucou Dame Sivan, comment ça va? Et coucou Caradiams aussi, ça va bien, merci. Et donc bonsoir en lurk, Dame Sivan. Tac tac. C'est pas dégueu comme ça en fait, ça suffirait. Faudra qu'on fasse un petit peu de déco à cet endroit. Tac tac. Voilà. On essaiera de mettre des... mince. Non, c'est pas ça, je me trompe. Des trucs en bois, là, comme ici. Comme on l'avait mis, attends, c'est pas de ce côté-ci, peut-être, c'est de l'autre côté. Ah, je me trompe de bouton. Je joue pas assez à Lego. On avait mis des choses comme ça, là. De ce côté-ci. Ah, c'est les lumières qui s'éteignent. Mais c'est quoi ce bruit? Attends, fais voir. Voilà. Voir comment je les ai fait en bas. Ouais, je les ai posés à même le sol. Mais du coup, ça le fait pas, là. Alors, on va plutôt prendre ça. Et je suis pas sûr qu'il y ait des gargouilles dans le jeu, là. Tel quel. Malheureusement, ils ont arrêté le développement. Et coucou, Smokey, Smokey, Smokey. Du-du-dum, du-du-du-du-du-du-dum, and nous. Attends, comment je les ai fait en dessous? Normalement, voilà, il y a les étages ici. Ah si, c'est bon. Et ouf, c'est là.
Mais attends, en fait... Là... Là, je pouvais carrément faire ça, en fait. Ça passe. Voilà. Là, je reprends ça. Par contre, ouais, là, j'avais mis des choses comme ça. Là, il me faut ça. Là, je veux la couleur. C'est où? C'est là. C'est bon. Voilà. Et comment ça, on appelle pas ça gargouille? Et bon l'heure du coup, Niristros. Écoute, c'est pas l'heure aussi. Comment que ça va là-dedans? T'es pas trop fatigué? Le stream s'est bien passé? Voilà. Une arche comme ça. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est ça. Tac, tac. On va remplacer le truc après, hein, par rapport à ce que j'ai fait. Quelque chose qui me va pas. Et on va aller de ce côté-ci. Et on va aller chercher ceux qui sont à l'envers. Alors comme ça. Oh, c'est bon ça. Well, well, you make it. Où? Attends, c'est où? Voilà. Alors, ceux qui sont sur la rediff, ça va être terrible parce que du coup, il n'y a pas la musique. Dreams come true. Non, c'est pas ça que je veux. Ça fait que 3, donc il faut un 2.
Comment ça? Adine. Au moins, t'as essayé. C'est ça. J'avais passé plus vite à autre chose, mais oui, je reconnais que ça fait mal. Du coup, bon courage. Et priorifier Lego Worlds, Lego Worlds, Lego Worlds. Il le fallait. Et du coup, alors, je sais pas les paroles de ce truc-là, mais... Attends, non, j'ai pas la bonne couleur. Attends, mais je suis vachement haut là. Attends, t'es où là, Gérard? Eh ben, faut pas attendre, peut-être, Grenadine. Je sais pas, là-dessus. Ça dépend, c'est tellement variable d'une personne à une autre. En même temps, je suis très mal placé, je pense, pour donner des conseils là-dessus. Quoi qu'il arrive, mais courage, du coup. Mais après, quelquefois, ce qu'il y a de nouveau est plus excitant que ce qu'on connaît déjà, même si c'est mieux. Au moins, tu lui as dit. Maintenant, le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer si jamais il revient un de ces quatre, quoi? Ah, c'est pas droit. Comment c'est possible? Je me suis loupé quelque part? Bon, ça c'est au-dessus, ça c'est au-dessus. Aïe. Ouch. Mais c'est là qu'il y a un souci. On fait voir.
que je crois que j'ai pas sauvegardé, donc si je réutilise le même outil, là, ça va me le remettre ou pas? Ah ouais, non. Pense à moi, ouais, c'est normal, Grenadine. C'est un peu con quand même. Pas forcément, tu sais, c'est genre de choses qui se décident pas, ça, malheureusement. Et malheureusement, les sentiments, c'est pas toujours très, comment dire, logique ou autre. Et coucou Madoum, coucou Dame Sivan aussi, coucou Caradiam, coucou Smokey, coucou Navistros, coucou Sepala, coucou Grenadine, coucou Pink et Lover, et coucou Jay aussi. Et bon lurk. Le F5, normalement, c'est constant, mais du coup, ouais, j'aurais peut-être dû sauvegarder le groupe que j'étais en train de copier. C'est juste que je me suis dit que je pouvais le faire sans, quoi. Mais du coup, c'est con, parce que là, c'est propre, y a pas le décalage. Et là, il y est. On va sauvegarder. Voilà. J'ai validé. Marqué. Truc mal fait. Voilà. Bon dodo l'heure que c'est pas l'heure. Bon bisous. Et donc faut que je trouve le côté qui est décalé, c'est-à-dire celui-ci, et que je supprime tout là. Non. Hop là. Il y a quand même le bruit, mais ça supprime rien, je crois. C'est bon. Et en fait, le truc, c'est que j'aurais plus, mais. Du coup, là, ce qui me pose tout problème, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça va. C'est juste que j'ai fait une bêtise au niveau du la hauteur de ce truc-là, donc autant le décaler. Je fais plus que vous dire. Merci, Mayridra, comment s'est passé du coup, Zdofus? Oh. Oh oui, ça c'est très bon, ça. La musique en fond. Ah, ça me plaît. Bon, j'ai enlevé un machin, là, ici. On est sur Lego Worlds, comment ça va là-dedans? Il va se remettre à servir dans approximativement 8 heures. Ok, c'est le moment de réussir à faire une nuit pleine. C'est pas l'heure, je te le souhaite en tout cas. Tu peux dire les termes dans le coup. Oh. Mais non. J'adore cette musique. Je trouve qu'elle calme instantanément. C'est quand tu l'entends dans Persona 5, cette musique, c'est toujours des moments où c'est très calme. Très agréable, très posé. Et ça donne envie de relancer Persona 5 à chaque fois, c'est terrible. Ça va bien, toujours un peu fatigué, mais ça roule. J'ai trop peur de faire une connerie. Si je supprime mon groupe. Normalement, tu peux laisser appuyer et décaler. Ah non, ça déplace.
Je crois que c'est peut-être pas supprimé en fait en groupe. Il me semblait que tu pouvais sélectionner ou un truc, mais je suis pas forcément à l'aise avec les commandes du jeu, donc j'ai peur de. Alors attends, maintenant faut utiliser quel onglet Non, attends, c'est pas ça que je veux. Outils découverte. Alors, où sont les trucs que moi-même j'ai construits? C'est cassé par ordre alphabétique, je vais me sentir con. Comment on fait pour recharger les trucs qu'on a sauvegardés? C'est là. Truc mal fait. Ah mais je l'importe comment? Comme ça? Ah ça m'avait été chaud ça. Ça va être chaud. Mais non! Mais les touches sont pas les mêmes ou quoi? Attends. Non, j'ai tout mal posé, ça m'a tout destroy, et je crois qu'il n'y a pas de mode pour faire le undo là ici, quand tu colles comme ça. Ok, ok j'ai compris. Ah non mais ok, j'ai compris, d'accord, tu veux jouer à ça? Je peux pas copier des trucs directement, bref. Ok, bon, attends. Ok. Ah non, 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 ok, d'accord. Copier. Pour Frodon. Je vais faire que des bêtises. Bah attends, mais c'est tout dégueulasse là. C'est quoi les undo les... Oh, ça a tout bousillé. Faut tout que je refasse à la main du coup. Regarde, même ça, c'est plus bon là. Ça m'a tout décalé et j'aurais dû sélectionner pour que ça supprime. Et merci pour Koon TV aussi. Et non, tout est cassé. Comment que ça va dedans? Ça ressemble plus à rien. Ok. J'ai compris. Mais regarde ce que ça m'a fait là sur les côtés, ça m'a tout changé. Peut-être que j'avais pas copié en entier ça en fait, c'est peut-être ça le souci. Ça doit être ça. Et j'ai été bête. Et bien sûr qu'on va y arriver. Mais c'est moche de se louper comme ça quand on n'a pas l'habitude de ces commandes là. Tout ça parce que j'ai décalé d'un cran. C'est moche. Ok, ok, ok. Bon bah on va refaire hein, écoute.
Au type paysagisme. Du coup. Et voilà. C'est moi tout ça, là. Des horreurs. Enlever ces horreurs que je ne saurais voir à nouveau. Alors. Voilà, là on retrouve ce bloc là. Bah dis donc. Tout ça parce que j'ai décalé d'un cran. On va y arriver, on va y arriver. Et coucou Mario Brady. Ça va bien, fatigué mais ça roule. Depuis un moment, un jeu de réflexion avec les dissimulations de cadavres. Oui, je crois que tu m'en avais déjà parlé. Ou alors, tu avais déjà commencé, non? C'est qui y jouait? Ou alors, c'était pas toi? Je sais plus. Il n'y avait pas une démo, un truc comme ça que tu avais déjà essayé? Ou je suis juste complètement à côté de la plaque, en fait. Et oh, elles sont pas la bonne couleur. Non, mais on va tout refaire, j'ai compris. Je me laisserai pas avoir. J'aurai le dernier mot. Et puis c'est tout. On vaincra. Voilà. Ça, déjà, c'est rattrapé, c'est bon. Ah, ça m'a enlevé une brique ici. Je me rappelle comment j'ai fait ça, là. Ça va être terrible. Non, Galadine, on peut pas la faire ça, avec ce jeu-là. Après, il y a des logiciels qui le permettent, mais là, je me dis que c'est sympa, tu vois, je peux explorer en vue FPS mon château et tout. Ah, puis après tu permets tes dodgers pour qu'ils viennent le détruire. Le jeu Super Mario Land sur Game Boy Pocket que j'ai restauré en Total Real Hardware, comment ça? T'as restauré en Total Real Hardware. Ah, tu viens... Oui, la Game Boy Pocket avec l'écran, là. Non. J'avais fait le premier, attends, c'est le deuxième du coup? Il me semble que tu m'en as déjà parlé. Attends, parce que moi je suis perdu là. Bolo FR, coucou, coucou Maïridra encore une fois et merci beaucoup pour le raid. Coucou Yuki, coucou Aku Smash, coucou Ayu Brady, coucou Ananas, coucou Brokun, coucou Guesdouille. Maïridra qui était sur Dofus, il me semble. Voilà. Je sais pas si t'es encore là, Maïridra d'ailleurs. Et avec l'écran LCD, c'est ça. Il me semble que j'ai vu. Et tu l'avais jamais terminé, Super Mario Bros? Ou Land? Mario Land. Dalago, oui, c'est combien de temps qu'on est sur Ego 39 minutes? On va essayer de partir sur autre chose après. Autant plus que je suis dégoûté, là, je viens de bousiller l'autre côté. Est-ce que je les avais pas posés au même niveau? Et je me rappelle plus comment j'avais fait la construction du lieu là-bas. On va remonter. J'ai la dalle et j'ai rien à manger. Enfin, rien. C'est faux. Salut Lux. Tu es une quiche. Oui. Attends. Choisir brique et choisir couleur. On va la poser de côté. On est des professionnels. Voilà, ça se met à ce niveau-là. What?
Voilà. Et ça, ça te plaît, bah, tant mieux, c'est plaisir ça. Attends. Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme un gros schtroumpf, je viens de planter mon décor. Attends, de l'autre côté, c'était le premier par là, là. À l'angle de la porte. Bah, elle est passée où, là ? La planche que j'avais posée, là. Dis pas que j'ai appuyé sur le bouton que je l'ai viré. Comme une grosse quiche que je suis. Ah ouais, bah après le jeu est pas non plus fifou hein, celui-ci. Malheureusement. Moi, je l'adore parce que ça me permet de construire avec des briques infinies et de faire ce que je veux et tout. Mais en fait, à la base, il devait être bien plus complet. Ils ont arrêté de le développer à un moment donné. Et ouais, mais c'est, ça dérange pas, là. Les dalles sur le vide. On a besoin. Elles sont nécessaires, ces dalles. Et à la base, je m'étais dit, ça va être le jeu parfait. Il allait avoir un mode survie et tout. Il avait annoncé, je sais plus à quel événement de jeu vidéo. Non, je veux pas supprimer. Je veux choisir la brique. Alors, c'est pas vraiment du Minecraft que tu pourras retrouver sur le jeu. C'est encore un autre système. Mais en gros, t'es arrivé sur une plage déserte, il fallait survivre. Et ça avait l'air tellement cool. En fait, tu peux vraiment la jouer comme tu veux sur le jeu. Un peu de choses près. Lonesome Lurker. Et bon l'heure, coucou, j'espère que ça va aussi. Attends, non, faut être que d'abord je place les autres points. C'est-à-dire ceux-là. Bon, en fait, le jeu est cool, mais en fait... Je suis juste triste qu'il ne l'ait pas amené plus loin. Non, je suis pas sur la bonne couleur, là. Le jeu est très très cool, mais en fait, c'est juste entre ce qu'ils auraient pu en faire et ce qu'il est devenu, le jeu a été abandonné assez rapidement. C'est là que ça commence, en fait. Donc tu peux vraiment construire, détruire brique par brique, et après tu peux jouer avec des bazookas, faire des courses de voiture, etc., etc., quoi. Oh, merci Vux. Merci beaucoup pour le raid, et merci beaucoup, Rokun, pour le reste. Bisous. Prends soin de toi, repose-toi bien, à la prochaine. Et amuse-toi bien. Ah oui, mais en fait, tu peux vraiment jouer, là c'est pas que de la construction, tu peux vraiment faire ce que tu veux dans le décor après. C'est-à-dire que tu fais popper les décors entiers directement, si t'as pas envie de construire... Rien ne t'empêche de faire comme ceci, de choper directement un commissariat, de le faire popper dans le décor. Tu vois, et t'auras des véhicules, t'auras des trucs. Si t'as besoin d'un véhicule, hop, tu fais popper. Une arme, pareil. Tu vois, tu peux créer ton personnage à partir des personnages déjà existants. Ou alors, en prenant les éléments, tu vois, t'as une Ninjago, t'as un peu de... C'est un truc, t'as des monsters. Sachant que chaque partie a des particularités. Et après, rien ne t'empêche de choper une guitare électrique et de jouer de la guitare électrique. Bon, c'est quoi ? C'est là. Et tu peux popper d'autres persos, tu peux... ça peut être des véhicules, tu vois, tu peux faire popper les animaux, tu veux te faire une ferme. Voilà, il y a des araignées, des dragons, il y a... Il y a des éléphants, tu peux chevaucher la plupart des animaux aussi. Donc c'est extrêmement complet, en fait, comme jeu. Et après, t'as des outils dans le paysage, tu vois, tu peux poser des, voilà, une chaise longue enneigée, et t'as les trucs sur lesquels tu vas pouvoir interagir avec. Tu vois, il y a des petits WC effrayants, là, hop, tu décides de poser des WC effrayants, par exemple. Tu peux jouer à plusieurs. Par contre, c'est difficile, je crois, d'ouvrir des serveurs privés dessus. Donc, en général, c'est là où ça coince. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lance la partie. Mais du coup, vous pouvez être à plusieurs, faire des courses de voiture, etc., etc.
En gros, pour moi, c'est le jeu Lego parfait. Et à la base, quand ils l'ont sorti, ils ont commencé à annoncer les DLC. Pas des DLC de licence, mais ils ont commencé à annoncer des DLC. Par exemple, ils ont rajouté Lego Space et Lego Monster. Et du coup, dans Lego Space, bah, t'as tous les trucs de la Lune qu'ils avaient créés il y a fort longtemps. Dans Lego Monster, t'as toute la gamme des Monster Fighter, par exemple, dont la fameuse maison abandonnée que je possède en Lego. Et imagine, je me dis, ils auraient sorti les DLC pour Marvel, pour DC, pour Harry Potter et toutes les autres marques qu'ils possèdent, on aurait obtenu le jeu de Lego parfait, pour moi. Sincèrement, ça aurait été le jeu... Voilà, et du coup, ça fait des années et des années maintenant que j'attends qu'ils nous sortent un 2. Parce qu'en fait, ils ont arrêté de développer celui-ci pour développer le Lego Monster... pas Lego Monster, Lego La Grande Aventure 2, le Lego... le film Lego 2. Et le film Lego 2, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, après ça, bah, ils ont pas continué le développement du Lego de ce Lego-là, de ce Lego Worlds. Et je croise très très fort les doigts pour qu'ils sortent un 2 avec des améliorations, les serveurs privés, etc., etc., tu vois. Parce que là, c'est génial, parce qu'imaginons que t'es, je sais pas moi, des gorilles, des singes ou des serpents à côté de toi, si tu joues de la musique, ils vont se mettre à danser et tout. Tu peux faire des parties de foot, tu peux te faire sortir plein d'armes et tirer, ça va détruire tout le décor, parce que tout le décor est destructible comme dans un Minecraft. Faire des paysagismes. C'est bref, c'est très très poussé, t'as des outils de peinture. Et donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? J'ai pas envie de détruire le décor, mais t'as quand même pas mal de choses différentes. Et genre, t'as des marteaux piqueurs, t'as des véhicules qui vont poser des routes. Et j'espère que ça va pas planter le jeu, mais imaginons qu'on retourne sur Steam et qu'on retourne dans le hub de la communauté, qu'on regarde un peu les screenshots. T'as des choses assez folles. Voilà, des gens qui ont fait un truc sur un ring de boxe. Il y a des constructions assez, assez folles. Tu vois, ce que tu peux faire sur le jeu, c'est quand même assez complet, quoi. Je veux essayer de construire un château. Ça fait très très longtemps que je l'ai commencé, mais je suis pas allé très loin dessus, quoi. J'aimerais bien vous trouver des screenshots fous de gens qui ont créé des choses folles sur le jeu. Vous donnez une idée de... Regarde, ça c'est quand même déjà pas mal. Mais alors, il n'y a pas de train dans le jeu, par contre. Hein. T'as plein de tonnes de véhicules, mais pas de train. Il y en a qui ont fait des décors assez fous. Construction, sachant qu'après, tu peux enregistrer, copier-coller. Même si là, j'ai fait de la paix avec quelqu'un qui a fait un parc, un Big Ben. Pas. Non. Il n'y a plus beaucoup de monde qui joue de manière aléatoire sur le jeu comme dans les Minecraft. T'as pas de serveur Minecraft ou autre. Mais je me dis, ceux qui m'ont demandé, regarde un peu le château là. Quelqu'un qui a recréé la tour de Sauron dedans. Les maisons là, elles sont folles. Regarde ce genre de décor. Tu vois? Leurs décors sont magnifiques à eux, là. Le mec, il fait des choses folles. En fait, un truc qui permet de créer des routes. Et là, ça a même créé des routes sur l'eau. Là, il y a les gens qui ont fait des constructions énormes. Ouais, mais en même temps, ils l'ont abandonné. Il y a une époque où on était plus nombreux sur le jeu. S'ils ne l'avaient pas abandonné, si on avait régulièrement des mises à jour et tout, je pense qu'on serait beaucoup plus nombreux à jouer dessus. Il me semble qu'entre la version Switch, la version PC, la version console, t'as quand même pas mal de... En plus, il y avait une bonne dynamique au début. Trop classe, tu vois. Liste. Regarde ça. C'est tellement plus joli que Minecraft, en plus, présenté comme ça, là. Ah, le petit marché là. D'ailleurs, très beau nombre, 63. Avec des côtelettes là. Pour Frodon. Voilà, voilà, voilà. Et coucou Thunderness. Oui, pour Frodon. Et comment ça va, du coup? Comment s'est passé le stream? On est en train de reconstruire un truc parce que je me suis loupé, j'ai fait n'importe quoi dans le décor, ce qui est nul. Nul, bouh!
J'ai été mauvais, Tenderness. J'ai été mauvais. Choisir brique et choisir couleur. Et tu vois, il y a deux, trois petites choses qui auraient pu être arrangées sur le jeu, je pense, qui pourraient être améliorées. Ça, je me dis un 2, là. Un Lego Worlds 2, s'il vous plaît. Je veux... Avec tous les DLC sortis et tout, là. Bah tant mieux, hein, pour eux. Après, je pense que les gens ont plutôt joué sur console à ce jeu-là. Avec leurs enfants, genre de choses. Bah si, parce que du coup, je dois refaire un morceau de mon château parce que j'ai fait n'importe quoi avec. J'étais mauvais. Mais c'est pas grave. Et coucou Mizunette, comment ça va? Attends, à qui j'ai pas dit bonjour? Pixel génial, coucou. Donc tout de suite sur Lego Worlds, où je continue à essayer de construire mon château. J'avais commencé il y a fort longtemps et que je continue pas très souvent. Bon, faut que je prenne la bonne couleur quand même. Faut que je prenne la bonne couleur. T'as vu que t'es plus en live. Oh, c'est gentil ça. Tac, tac, tac. T'es sur quoi? T'es sur Pokémon d'ailleurs. Ah, attends. Oh, je suis tellement tristesse. Voilà. J'ai l'impression que j'ai oublié de monter d'un cran encore, là. Non. Je crois que j'ai oublié de monter d'un cran. Et... Ça va être long à ce point? Non. C'est bien ce que je me disais, j'en avais une de moins. Donc comme je dis, on est sur Lego Worlds, où on peut construire comme si on avait un bac de Lego infini. Personnaliser son personnage, avoir des véhicules, etc. Faites un peu ce que vous voulez. Donc un vrai jeu de construction Lego. Lego. Pas grave ça, l'important que tu te fasses plaisir. Le reste, ça n'a pas vraiment son importance. Non? Si? Va choper la bonne brique. Et sur ce jeu-là, non, mais il est déjà multi, vous pouvez jouer en multi hein, sur celui-ci. Là, n'importe qui pourrait rejoindre la partie, que ce soit sur en local, en prenant une deuxième manette, ou en me rejoignant en ligne. Hop là, on copie-colle la couleur. Et du coup, si j'ai bien été mauvais. Mais c'est pas grave, on refait et tout va mieux se passer. De ce coup, j'étais en train de poser mes briques et d'un seul coup, je vois qu'elles sont pas à la même hauteur. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est parce que j'avais fait de la paille. Que je fais moi. En rouge et noir. Nous y sommes presque, mesdames et messieurs. Et du coup, j'adore le jeu. Mais
Il a été abandonné, et du coup, j'aurais aimé avoir tellement d'autres trucs, tellement d'autres éléments. Et donc, si, il faut qu'il fasse un 2. Un Lego Bienvenue Worlds 2. Bienvenue à toi, oui. Qui mèneront jusqu'au bout qui cette fois-ci. De t'abonner. Oh, merci. Du coup, tu es en. Désormais, Jean Nenway. Nenway ? Comment on prononce ? Pourquoi pas ? Rika, pourquoi pas ? Peut-être que ça sera un truc intéressant. Après. Bonne nuit, les petits. La carte est grande. Franchement, Drika, si t'en as envie, avec plaisir. Mais du coup, faudra faire ça par là-bas, au loin là-bas. Et bien plus bas. Parce que je veux que. Dans ma tête, j'ai mon truc là. Hein. Je veux que. Tu vois, là. Attends, petite visite. Et là, il y aurait une allée avec des grandes statues. On appellera l'allée aux grandes statues. Bref. Bref. C'est nul. Mais en fait, j'aimerais bien que là, en fait, il soit déjà en hauteur et que là, ça descende, que ça soit creusé. Et après, il reste tout ça autour là. Donc ouais, carrément, pourquoi pas, en fait. Nenway, c'est nickel. J'ai trop peur d'écorcher les pseudos. Ah ouais, j'ai récupéré ma voiture. D'ailleurs, faut que j'aille vérifier, parce que je suis allé la chercher mardi dernier. Et on est mardi. Voilà, et minuit 3, on est mardi. Bah ouais, mais le petit, ce que j'y avais pensé à un moment donné. Et puis après, comme d'hab, ça fait partie des choses qui me sortent vite de la tête, quoi. Voilà, maintenant, on a de nouveau notre intérieur et c'est plat. On a rattrapé notre retard. Nous sommes des professionnels. Assez vite dit peut-être. Voilà. Là, j'hésitais presque à faire un truc plus élevé là-haut. Bah, je veux une dernière tour là au centre. Ça va, c'est massif comme porte. C'est vrai, ça sera avec plaisir. Du coup, Drika. Non, moi, il suffirait de m'ajouter un ami. Je sais pas si la partie elle est ouverte au multi ou pas là. Ou si j'ai verrouillé solo. Plus. Normalement, ouais, vous pouvez rejoindre quand tu es parti lancé. Et Et du coup, voilà, mais en fait, il a fallu que je vous montre d'autres cartes et tout, parce que le jeu est extrêmement complet, je trouve, comparé à... Enfin, pour moi, c'est le seul vrai jeu Lego existant. Parce que j'ai horreur des autres jeux, parce qu'ils sont pas en Lego, sauf les Lego Movie 1 et 2. Parce que Lego Movie, il y a aussi Lego Ninjago, je crois, qui est en jeu Lego, où le décor est entièrement en Lego. Mais ça m'embête d'avoir des jeux Lego où les décors sont pas en Lego. Je trouve ça triste, déprimant, horrible. Alors attends, j'irais bien récupérer ça, là. Et donc, vous pouvez vraiment personnaliser votre perso. Tu vois, je peux être un fantôme, je peux être un Anubis, je peux être un taureau. Un orc. Quoi, ça hein? Un pirate zombie. C'est bien les pirates zombies. Être chêne. Il me faut un chapeau de pirate. Me faire peur. Et du coup, ouais, c'est vrai. Ce serait peut-être cool à plusieurs.
Alors attends. Musique de Life is Strange. On va récupérer la couleur là-bas. Et c'est après tous les quatre qu'on faisait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Attends, il est comment le truc, ici? I'm back. Mais non, mais c'est des briques comme ça. Non, mais je veux une brique à l'intérieur, je veux que ce soit normal. Donc on va mettre ça. Bien comment ils fonctionnent ces jeux. Ensuite, ça rajoute un peu de volume. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les briques s'adaptent d'elles-mêmes. Ça change. Seul. C'est un peu bizarre au loin comme ça. Et merci Soudirou, mais t'as déjà terminé ton stream? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment que ça se passe là? Bonne nuit du coup Ario Brady, merci beaucoup d'être venu. Prends soin de toi, repose-toi bien et la bisou à la prochaine. Là il y a ML2G, le Bourlingueur et Trias the Fallen qui sont en même temps, il est minuit passé, tu m'étonnes. Il se fait tard camarade. Et ben voilà! Ça a déjà un peu plus de gueule. Et maintenant, il faut une tour au centre. Et quelle idée! Faut qu'on trouve une solution à ça. Alors, il me faudrait une tour maintenant. Comment puis-je faire mon coup? Imaginons que ce soit ici. On est au-dessus du 4, ouais. Donc là, en imaginant que ce soit bel et bien le centre. Et qu'on prenne ensuite des trucs comme ça. Pour Frodon. Il y a beaucoup de raids là comme ça. Zelda, comment ça va? Comment s'est passé le stream sur Warcraft?
C'est de la triche, on me raid alors que je crois que j'ai posé mes trucs n'importe comment là de ce côté-ci. Voilà, une tour. Et si j'avais prévu deux autres petites tours, mais plus petites à côté? Est-ce que ça va pas faire trop? Mais la démesure, c'est bien. Alors, à qui j'ai pas dit bonjour? Vous, ça avait dit bonjour, il me semble. Au cool, coucou aussi. Lord Loku, Pixel Génial, Tenderness, Miss Ginette, Nenue, Sujiru, Caillou, Zelda, Carogal, 64, Suppositoire Effervescent et The Big Ship. Atour Queer. Diregory. Je vois bien, Zelda, merci. Toujours un peu fatigué, toujours un peu à côté de la plaque, mais ça va. Du coup, la prochaine fois, tu me rejoins, si j'ai bien compris, Drika. Sauf que ça commence à prendre la gueule, là, tout ça. Bon, l'autre côté est pas fait, mais on verra ça au fur et à mesure. Et après, il suffira d'étendre les remparts super loin, de commencer à construire des maisons à l'intérieur. J'hésite vraiment à rajouter d'autres trucs sur les côtés, là. Ah, j'hésite tellement. Et coucou Olaf le flibustier aussi. Je veux dire, dans la rediff, on n'entendra pas la musique, du coup, je vais me sentir con tout seul à chanter là. Cool de pouvoir faire ça dans le jeu. Tout de suite, ça rajoute, c'est un petit peu de. De surface au château. Enfin, pas de surface, mais. Bref, vous avez compris, quoi. Alors. J'hésite presque à revenir là-dedans. Et faire une augmentation comme ceci. Genre pour montrer qui c'est le plus fort, je propose qu'on prenne une couleur. Bonne pastel clair. Jaune transparent. Jaune sable métallique, jaune clair, jaune froid, orange vif, ils ont pas de couleur de nougat. C'est où l'or? Au pire, j'essaierai de prendre dans les bécabres. Ah ouais, non, mais attends, ça c'est fluo ça. Au moins, ça le mérite d'être clair. Attends, Ah non, mais ça c'est du vert fluo? Non. Là, je me dis, si là, je peux peindre ça en or.
Normalement, il y a couleur or métallique, hein, mais peut-être qu'il faut juste que je peigne en or. Après. Dit que ça pourrait être pas mal comme ça. On reprend ça pour terminer ici. Et ça vient d'avancer, c'est vite dit quand même. Hein. Et coucou la ruche, comment ça va? Après, on va aller faire peut-être des paquets de cartes un petit peu. Non, j'aimerais bien jouer encore. Il est minuit 19. J'ai réveillé ma chérie à une certaine heure. On va trouver la solution. Mais. Non, peut-être un peu grand ça. Pour Frodon. Moi, je veux des plaques. Attends, ils ont pas du 3 ? On pourrait faire comme ça. Ici, moi, il y a eu beaucoup de raids là tout de suite. Alors, attends, Shaolin Jack et Zelda. Il y a eu Tenderness juste avant. Brokun, Meridra, qu'est-ce qui se passe ? Comment s'est passé, monsieur Challenger, Stinikin? Bah, il me semble que c'était sur Stinikin, du coup. Bienvenue. Déjà, à faut toi. Peut-être que je regarde oui, si je peux. Toi qui viens de t'abonner. Oh oui! Et c'est pas de bol, ça. Hein. Et non anniversaire. Oh, c'est vrai. Du coup, j'ai droit à une fête surprise pour mon anniversaire tous les jours jusqu'à mon anniversaire. Je suis sur PC là, la rue, je pourrais jouer. Ça, c'est bon. Fatigué, mais ça roule de mon côté. C'est ok. On va faire ça peut-être. Donc on va se casser la tête à alterner. Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'espère que je peux le passer après en doré. Attends, non. Là, c'est la tour. J'ai hâte de voir si je peux passer tout ça en doré. Voilà. Je crois que l'outil peinture, il n'est pas forcément super bien pensé. Peut-être qu'il faut que je rajoute de l'or partout en dessous. C'est genre un liseré ici, là. Il ferait tout le tour. Il me semble, ouais. On va essayer. Outil peinture. Sauf que l'outil peinture, il fonctionne comme ça.
tout le métal. C'est de la lave. Gazon sec. Bah, c'est quoi ça, hein? Normalement, il y a un mode pour passer brique par brique, hein. Ah, il y a des touches, je dirais qu'on peut construire des pianos géants. C'est le jaune transparent. Et Non, mais on peut finir bloc là-bas, qui me semble. Juste que je me rappelle où c'est. Ça, c'est le sable, jeune fluo. Feuille d'automne. Terre rouillée. Comment j'avais fait pour... Attends. Je crois que ceux-là, ils sont dorés, tu vois. On voit qu'il y a un reflet métallique là-dessus. Du coup, il y a forcément un moment où j'ai pu faire comme il fallait. Or métallisé, choisir. Voilà. Et normalement... C'est quoi réduire la taille? Taille. Voilà, là, ça en jette, là. Hein, du doré, comme ça. Nous sommes riches. Le château de Monseigneur est riche. J'arrive pas à décaler assez. Ça continue encore et encore. Et alors ? Château de riche quand même. Même s'il n'existe pas encore le château. C'est que la porte d'entrée de la ville, ça. Attends, on l'a pas encore commencé. Le château, il sera super plus loin là-bas. Si jamais un jour je le fais. Quelque chose vient de tomber. Comme ça, quand le soleil se couchera, il se reflètera directement dessus. On posera une torche au-dessus. Parce qu'on aura besoin d'une torche pour éclairer ce côté magnifique du tout en or. Et on l'a mis tout en haut en or parce que c'est pour éviter que les gens qui viendraient piller la baraque puissent l'atteindre trop facilement. Là, il faudrait quand même un sacré grappin pour monter si haut. C'est les reflets, le cuivre, c'est beaucoup plus orangé, non? Marron. Personne devant. Oh yeah! Qu'il est de l'autre côté du pôle, dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Les oiseaux qui s'envolent.
Oh, tout en or, là. Le parfum sur ta veste. Confondre les lumières. Ah mais non, mais là je suis allé trop loin, c'est vrai. Personne. Voilà, on le voyait bien là, le côté doré là, regarde, en bas à droite. Le reflet, ça brille. J'ai dit que je jouerais peu, ça fait 1h20 qu'on est dessus. T'as personne devant. Voilà. On la monte de combien cette tour? Allez. Jusqu'ici. Ça me paraît bien là, ça fait haut. Parce que je me disais que j'étais un cran dessus. Pas combien je suis monté, au hasard. Oh, ça c'est du la musique qu'on entend en fond là et que vous entendrez pas vous dans la rediff. Et bah, tant mieux Edrica, écoute. J'espère que ça t'aurait fait le bien comme on dit. Oh wow. C'est vrai qu'on l'avance pas assez ce jeu. Il y a tellement de jeux à faire aussi. C'est la faute des autres jeux. Là, j'ai du mal avec deux jours, je trouve qu'il y a. Là, il y a une heure dans la journée là où c'est. Il y a pas assez de. Il n'y a pas assez de. Comment on pourrait appeler ça? De contraste. T'as l'impression qu'il y a du brouillard partout. Ça me frustre. Je pense qu'il faudra que je rajoute une ligne dorée en dessous aussi. Là, ça fait bizarre tel que c'est. T'as le doré qui pop en plein milieu là-haut. Ouais, non, pas un truc en bois. Je pense pas. C'est joli, le bois. Non, je pense que juste rajouter une ligne sur la partie basse. Il faudrait que je change des tuiles aussi, tu vois, comme en bas. Pour que les tuiles soient pas toutes de la même couleur, que ça fasse un peu de variété. Et... Alors, attends. On va mettre... Voilà. Ensuite, on va passer là-dessus.
va pas, ça. Choisir brique. Ciao, ciao, le foyer, je me bats. Ah, mais du coup, non. Je descends encore d'un cran. Ça. Voilà. Tac. Tac. Bon, on aura bien avancé là déjà. Je me demande s'il aurait pas fallu que... Je crois qu'il faudrait limite que je le place comme ça. Yes, c'est bon ça. Pas à ce qu'elle dit quand même des fois la dame hein. Bref et écoute Arkyubi, comment ça va? Il y a un brouillard mais c'est juste que je trouve que ça fait vide comme ça en fait. Bon après quand on aura fini peut-être que ce sera encore plus cool mais on... Faut que ça monte. Ils ont quitté leur terre. L'arche. Jusqu'au grand fleuve salé. Quand il y a les deux musiques super poches, je trouve ça horrible. Au jardin de lumière et d'argent. Nous serons impressionnants, nous ne saurons point. Tac tac. La jolie. Parce qu'on va être très limité là par rapport au pot de trucs. Non. Je veux ça, mais avec cette couleur là. On rajoutera les 1 plus tard.
Bah, c'est bien ce que je me disais que j'étais mal placé là. Voilà. Et dans leurs yeux mi-clos. Un vent de liberté. Au jardin de lumière et de... Il va falloir de l'éclairage là-haut. Hein. Le dragon doré. J'ai aimé l'image. J'hésite. Bon alors, lumière. On va aller chercher les luminaires. Là, je veux des torches. Alors, qui ira les allumer sur le toit? On ne sait pas, mais je veux celle-ci. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que je me pose d'abord là-haut. Et fin. Ouais, je sais qu'il y en a un dragon doré dans le jeu. De mon point de vue, il faut un éclairage ici. Is my mind. I need to find someone who call mine. On devra pas le placer au centre là. Non. Je vais pouvoir aller dedans. C'est trop serré ici. Non. Voilà. Je m'occupe de faire les étages pour pouvoir y grimper. Est-ce qu'il n'est pas question qu'il y ait des lieux inaccessibles dans le château? Interdit. Voilà. Et là, quand t'es FPS et que t'arrives, t'as l'impression que le truc te toise comme ça et te juge fort. C'est important qu'on ait l'impression d'être jugé fort. N'est-elle pas impressionnante, cette porte? Comment ça, oui et non? Elle est impressionnante. Du coup, il faudra que je fasse ses accès. Je sais même pas où est-ce qu'il est parti. Le... Il y a, normalement, il y a un soldat quelque part. Ça se trouve, il est à l'autre bout du monde maintenant. Il était censé être ici. Tu vois ? Je suis en train de voir que lui, il est pas au sol. Tabouret, bon, c'est pas grave. Côté, c'est moins joli. Hein. Faudra qu'on avance ce côté-là. On va faire des grands remparts par là-bas. Là, il nous faudra une base militaire dans un coin, là. Alors ici, avec une maison qui dépasserait sur les remparts, avec des lits à l'intérieur et tout. Et donc, il va falloir que je fasse ces escaliers qui permettent d'accéder à tout là-haut. Et pourquoi pas?
Et du médiéval Legoiforme. Oui, ça, ici. C'est un fail de ma part. Doom, 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 doom. Sex bomb, you're my sex bomb. Du coup, il va falloir que je rajoute un moyen de grimper à l'étage. And baby, you can turn me on. Merci, merci, Eb. J'hésite. Là, il va y avoir le... Ça va descendre ici. Ça... Je veux que les remparts soient moins hauts que la porte. Faut que la porte soit impressionnante comparée aux remparts. C'est que ça en jette comme ça quand t'as reçu, tu vois, genre les... Ça y est, ça montera pas plus haut que peut-être le troisième ou deuxième étage. Peut-être qu'il faudra que je rajoute des petites choses aussi sur la partie centrale, là. Peut-être des briques d'autres couleurs et tout. Pour que ça casse un peu le rythme. J'ai cru entendre le chat. Tenderness. Ça dépend, hein, de ce qu'on a envie de voir. Soit ça n'a pas subi de raid, soit la personne n'a pas fait de raid ici. Faut que je change toutes les chaînes ouvertes, là. Irax, il est parti sur quoi, là? À la suite d'Elden Ring, peut-être. Je suis tellement dégoûté pour ce qu'Irax, là. Là, on est en mode sandbox, donc je pense qu'on peut le faire popper quand même, non? La ruche. Turn me on. Non, je l'ai pas mis, Eve. Faudrait que je le mette, effectivement, dans les options perdues. Rien que pour embêter Lucide aussi. Faudrait que je puisse faire perdu. T'as le mode aventure où tu peux débloquer chacune des briques pour construire et il y a le mode sandbox et là je suis en mode sandbox. Mince, attends, j'annule les trucs là. Ah oui! En fait, si j'ai bien compris, ce qui s'est passé, c'est que. Tu sais, il laisse le vote au début pour la chacun, pour que vous puissiez voter pour quel Pokémon il prend. Tu vois? Et en fait, il s'est retrouvé dans une situation où ils ont voté pour le pire Pokémon de départ. Il y a le petit canard. Et donc, comme il n'a pas le droit d'avoir beaucoup, beaucoup de Pokémon, il a attrapé que des Pokémon pas top. Et donc, il ne restait que ce jeu à finir, quoi. Il était sur le dernier. Ça dégoûte. Des bisous, la ruche. Bonne nuit. Et donc, il était sur l'épisode 9. Et là, il repart à l'épisode 9. Donc, 9e génération, il doit tout recommencer. On essaiera de mettre des tours au fur et à mesure là-dessus, mais non. Donc là, il doit repartir sur la première génération. No, no.
No, 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 I said no, no. You're not the one for me. You're not the one for me. Aucune. Nunanananan. T'as vu, on a reçu ta carte, Mister Naze. Faut que tu m'envoies ton adresse postale. On va aller faire les paquets là après si on peut. Des bisous. On va aller faire les paquets là juste après. Au moins les paquets des cartes déjà faites. Enfin, des cartes one shot là, je sais pas comment on peut appeler ça. Et après il faut que je recommande du papier. J'aurais pas assez pour faire tous les paquets de cartes qu'il y a à faire déjà. Ceux qui ont déjà été commandés en tout cas. J'ai vu que même cette musique en fait elle avait été copiée. Je pensais que c'était lui qui avait écrit le son. Mais en fait, c'est juste des samples qu'il a retouchés, quoi. Même la musique de Main Black, je crois que c'est à la base, c'est une musique de Stevie Wonder aussi. Et n'importe quoi, là. Ouais. Et je croyais du coup que c'était lui qui avait écrit le morceau de bout en bout, tu vois. Non, Eb, je sais plus si je l'ai ou pas. Mais n'hésite pas à la renvoyer. Ça fait deux paquets que je dois t'envoyer. Ouais, ça me paraît pas mal comme ça en fait. En termes de hauteur. C'est-à-dire qu'on s'arrête à ce palier-là. Les pièces. Le paquet que je t'avais fait de cartes que t'avais commandé. Et après pour les pièges, je sais plus. S'il y en a ou pas. Dégoûté, j'étais convaincu que Tachi avait plus d'une pièce, ou Armof avait plus d'une pièce. Ils sont passés me voir, il y en avait qu'une. Après, il y en a des plus récentes qui n'ont pas encore été faites. J'ai toujours pas fait récap 2022. Il manque celle des subs aussi à faire. Bref, on a encore du boulot, quoi. C'est ça qu'il faudrait que j'arrête de faire des bêtises et me laisser aller à pas faire grand-chose. Non. Non. Voilà, il faudra décorer ce rempart correctement. Voilà, et là on mettra des sortes de créneaux au-dessus. De temps en temps, une tour qui sort et tout. Un bâtiment qui s'élèvera avec des tours sur les côtés, ce genre de choses, tu vois. Peut-être un morceau de ville à l'extérieur, aussi des bâtiments à l'extérieur. Mais imagine quand même. Bon, on pourrait, hein. Mais du coup, c'est peut-être un truc qu'il faudrait réserver pour le château. Parce que ça, pour moi, c'est les remparts de la ville. Là, ça va être un truc immense. Et en fait, ça va faire le tour. Et après, quand tu rentres, tu auras le village avec une grande place ici. Tu sais, où les gens pourront garer leur calèche avec des hôtels et tout. Et tout au fond, là-bas, tu verrais le château se déployer. Immense, colossal. Tu vois ? Aurait découpé sa silhouette sur le fond.
D'accord, merci Eve. Il faudrait qu'il soit fluo pour briller dans le noir. Pas sûr qu'il y ait tout ça quand même dans le jeu là. J'ai faim. Je crois qu'il y a des frites. Je mangerai plus tard. Des frites qui ont été faites avant-hier. Hier. Et c'est le truc qui m'inquiétait quand on a changé les musiques. Je me suis dit, les musiques sont plus dynamiques, donc il y a des chances qu'il faut que les gens aient un peu plus de mal à s'endormir sur le stream. On a quand même bien avancé, je trouve. Allez hop, il va être 1h du matin. Ça va faire 2h qu'on joue bientôt, 1h40. Faut que je trouve un moyen de creuser le sol ici. Et de décider par où passent mes escaliers. Et là, il y aura deux échelles. Enfin, une échelle, peut-être deux échelles qui montent de chaque côté. Et une toute petite plateforme à l'intérieur. Il faudrait que je mette des poutres aussi. Tu sais, pour éviter que le plafond soit pas juste un plafond dégueu. Tu vois là-haut là, il va falloir mettre des poutres qui soutiennent le toit. Il y a Piranha et Shirsen qui sont arrêtés. Ah, ce brouillard dégueu du matin quoi. On n'est pas à Londres, monsieur. C'est tellement cool de pouvoir visiter tes créations comme ça. Ça va en bas? Bon, je crois que je regarde si je peux déplacer le vaisseau. Normalement, oui, il me semble. Ouais, et là? Oh punaise, si on fait bien les trucs, là, on peut obtenir des résultats fous. C'est avec le chemin de ronde autour de la cité. Et là, ça ferait deux trucs qui avancent comme ça. Avec, pareil, une vue sur les toits de la cité. Et en bas, sur les gens qui arrivent. T'es pris les 7 Lego? T'as pris quoi? Ah ouais. C'est parce que je jouais à Lego ou il y a eu autre chose? Là, ça tient dans le vide, c'est pas cool. Faut qu'on stabilise tout ça. Bon, les doubles, ce sera autour du château. La population se sentira en sécurité dans cette zone. Et après, on essaiera de former un peu le terrain, que ce soit pas tout plat quand même. Étoile bizarre là-bas. La 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 la. Mais j'arrive pas à tomber sur les... Non, je vais essayer de tomber, bon tant pis, c'est pas des nuages. C'est la chute libre! T'as vu comment c'est grand autour. Il y avait un cratère ici. Que j'avais dû remplacer. J'ai vu un gros trou. Je sais plus. Et le chasseur de B1 de l'épisode 2 et la Batmobile. Putain, jolie. Oh, Drika, on se fait brique par brique, les unes après les autres. Et tu connaissais pas Lego Worlds? Triste. C'est ultra triste. On va quitter le jeu, du coup. Regardez quitter le monde. Attends. Si je peux lui montrer ça.
Il y a différents types de biomes, hein, donc voilà. Là, je crois que c'était la carte où je vais poser un peu tout et n'importe quoi dedans. Ça, c'est la version classique Space. Mais celle-ci, elle me semble qu'elle est impressionnante. Regarde un peu. Certains persos ont des quêtes et tout. Il faut voir un peu ce que ça donne quand c'est fini les niveaux, quand même. Ça, c'est les niveaux pré-créés par le jeu, hein, du coup. Moi, je trouve ça fou. Pour moi, ça, c'est du vrai jeu Lego. Lego, la rustine, oui. Ben, soit, en fait, t'as deux modes. T'as un mode histoire, entre guillemets, qui est pas vraiment super intéressant, mais tu vas débloquer les briques une par une et tu ne peux pas construire si tu ne débloques pas les briques. Et tu as un mode sandbox où t'as déjà tout débloqué et tu peux construire autant que tu veux. Par contre, les maisons sont vides, là. C'est quoi, cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que ces maisons vides? Normalement, il y a toujours des choses dans les maisons. C'est juste les musiques likées que j'ai likées sur Spotify. Non, non, j'évite de faire deux fois de suite le même jeu. Pour ceux qui veulent éviter de se spoiler ou autre, tu vois, que... Oh, il y a un coffre là. Tu vois, dans l'aventure, en fait, t'as des coffres comme ça à ouvrir et ça te permet de récupérer des objets. Ou des... Voilà, je vais gagner quoi là? Ah bah j'ai gagné des poissons. Tu as peut-être l'argent, tu avais débloqué les objets. Est-ce que tu peux scanner n'importe quel élément dans le décor et ensuite le refaire popper ailleurs? J'aimerais bien te montrer une maison avec des trucs à l'intérieur quand même, là. Là, elles sont vides, les maisons, j'ai l'impression. Regarde. Ah, là, il y a d'avoir deux, trois trucs à l'intérieur, faut voir. Je crois que je vois une horloge ici. Là, tu vois, il y a une horloge. C'est pas très rempli, leur maison. Attends. Voilà. Et du coup, tu peux créer tes propres trucs dans le jeu, en fait. Donc, pour moi, c'est tout... C'est tout ce que j'attends d'un jeu Lego, en fait. Et j'aimerais que tous les jeux Lego soient comme ça. C'est-à-dire que tu puisses construire ce que tu veux, les décors que tu veux, et tout, et tout. Et toujours pas là, Alkishman. Je sais pas ce qui se passe. Ah non, mais cet âge est déçu. Du coup, des vides dans cette maison, ok. T'as des maisons ou t'as des... On va essayer notre maison, du coup. Et t'as la même chose avec le mode espace. Et en fait, dans le mode aventure, tu visitais des maisons avec des biomes différents là-dessus. Apparemment, j'ai déjà fait leur quête à eux. Là, je dois pas avoir d'armes particulières comme des lance-roquettes ou autres, mais en gros, faut t'imaginer que... Bon, celle-là, elle est rouge, on va essayer de rentrer dedans pour voir. On va essayer de s'équiper, il y a un truc qui fait torche. Voilà. Je te montre une autre carte aussi pour que tu puisses... Bon là, il a rangé la torche parce qu'il est en train d'escalader. Là-là. Là-là. Bon. Bonjour monsieur le fantôme. Là, ils sont phosphorescents pour de vrai. Et là, il y a une télé. Tu vois? Je trouve ça génial. Bon, c'est ce que j'attends d'un jeu Lego, comme je te dis. C'est un...
Et donc, ça, c'est un des premiers DLC. Tout ce mode-là, c'est un DLC du jeu. Hein. Mais à la base, j'attendais qu'ils sortent des DLC sur toutes leurs licences. On va essayer de sauvegarder équité. Non, cette map, elle est générée aléatoirement, Apocas. En fait, c'est soit tu fais le mode aventure du jeu et tu vas devoir débloquer des mondes de plus en plus grands et au fur et à mesure, soit tu te mets en mode sandbox et tout est débloqué. Mais la carte, celle-ci, était générée aléatoirement. Alors attends, je charge l'emplacement 4. C'est chiant d'avoir les deux musiques qui se superposent. Bon, sur la rediff, il n'y en aura qu'une seule. Voilà, tu vois, par exemple, c'est une carte spéciale espace. Ça, c'est une carte aléatoire, sûrement. Et quand tu crées une nouvelle carte, au bout d'un moment, tu peux créer une nouvelle carte, tu peux choisir les biomes qu'il va y avoir dedans. Si tu n'as pas envie de construire sur un truc plat comme moi, j'ai commencé, tu peux très bien commencer à construire dans un environnement qui sera comme ça, tu vois, voilà. Ça, c'est un exemple de biome. Et après, tu peux faire popper des bâtiments à l'intérieur qui sont déjà créés. Tu vois, par exemple, hop, il y a cette petite maison, là. Tu n'es pas obligé de tout construire de zéro. Tu peux aussi faire popper des bâtiments qui existent déjà. Ouais, j'avais dû... Si je cherche cette carte, c'est parce que j'avais fait popper les trucs qui étaient disponibles dans le jeu en plus. Ils avaient fait des bâtiments égyptiens. Et régulièrement, quand le jeu était encore mis à jour, ils rajoutaient des bâtiments comme ça, téléchargeables gratuitement. Des bâtiments égyptiens comme ça. Et donc, il faut savoir que tout ce que tu vois ici, tu peux le faire toi-même. Hein. Et rajouter des nouveaux persos, des nouveaux modèles, etc. Tu vois. Donc là, c'est moi qui ai fait le fifou en faisant popper des éléments particuliers. Mais tu vois, t'as des trônes et tout, tu peux t'asseoir dedans. Tu peux créer ton perso, tu peux... voilà. Le jeu vidéo, ah, parfait quoi. Ouais, j'ai pas vu un truc dans le chat là, non? Ah non, c'est juste parce qu'il y a de la viande, ok. Mais tu vois, on peut faire popper les trucs dans le décor comme ça. Là, j'avais fait popper un pirate zombie pour être précis. Donc ça, tu vois, c'est là, ça c'est la carte de base. C'est-à-dire qu'avant de faire popper les choses là-dedans, il y avait juste ça qui avait popé par exemple. Et tu vois, elle a une quête pour me donner une brique dorée. Et plus t'as de briques dorées, plus tu peux avoir accès à des mondes qui vont être grands ou autres. Là, tu vois, les vaches font des quêtes de manière à ce que je puisse les récupérer. Sinon, j'ai pas le droit de les récupérer. C'était pas en mode sandbox. Donc tu peux essayer de faire l'aventure du jeu. Et l'aventure du jeu va te demander d'être faire des missions au fur et à mesure. Et au final, tu vas récupérer des briques, récupérer des animaux, et tu pourras au fur et à mesure créer ta propre carte. La rustine. Tu vois, ils avaient fait un truc de construction comme ça avec le crocodile, avec l'eau qui coule du crocodile et tout. Donc c'est vachement complet, je trouve, comme jeu, Lego. Tu vois, il y a la même chose avec une tête de dragon, je crois. Et donc ça, tu peux construire brique par brique. T'as des mines entières. T'as des morceaux de château qui existent aussi comme ça, faire popper. Alors je crois que c'est du Ninjago. Quand ça brille comme ça, ça veut dire que j'ai pas récupéré pour le jeu l'objet en question. On l'a vu clignoter ce truc-là. Et en fait, tout ce qui clignote pas, c'est les objets que j'avais pas récupérés dans mon aventure. Bah en fait, pas tant que ça. Parce que le jeu a été abandonné entre temps et finalement, comme expliqué tout à l'heure Salorium, il n'y a pas tant de monde que ça qui continue à y jouer aujourd'hui. Mais pour moi, c'est fou, c'est le jeu parfait, quoi. Regarde, ils avaient commencé à rajouter la ville de Ninjago là-bas. Là, t'as des véhicules, tu peux conduire les véhicules. Voilà, je crois que c'est un des morceaux de la ville de Ninjago, ça. J'avais fait popper pour montrer aussi. Alors, les univers ont une fin, par contre. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Voilà, et du coup, on a un robot à l'intérieur. Tu vois, on peut rentrer comme ça, normalement. Voilà. Mais pour moi, il a un potentiel de fou, ce jeu. J'aurais tellement aimé qu'il le continue. Regarde. Faut créer un paquet de trucs, hein.
Bah imagine, tu prends ce jeu et tu continues avec, ben, comme je disais, Lego Harry Potter, Lego Star Wars, etc. Tu rajoutes des DLC, même s'il coûte 40€ le DLC, je m'en fous, tu vois, mais t'obtiens le jeu là, la perfection. Et là, par exemple, je crois que ça, ici, on peut vraiment... Attends. Regarde. Les véhicules sont vraiment fonctionnels. Bah, je trouve aussi, hein. Tu vois, et après, t'as un véhicule qui, pareil, t'as un véhicule pour creuser des mines, t'as un véhicule pour poser de la route après. T'as même un véhicule pour passer à tondeuse. Tu vois, tu passes à tondeuse, et ça enlève tous les petits bitonios qu'il y a sur les trucs comme ça, tu vois, là. Tout ce qu'on voit qui dépasse, c'est considéré comme de l'herbe, tu vois. Et en fait, ça va aplatir les plaques. Mais du coup, il est vieux maintenant, et il a quelques défauts, il en a même plein, des petits défauts. Mais c'est ce que j'attends d'un jeu Lego. Et en fait, les mondes sont limités souvent comme ça, tu vois. Et après, t'as la surface comme ça, tu vois. Et en fait, ça veut dire que t'as tout ça en profondeur et t'as à peu près la même taille au-dessus pour pouvoir construire. Et les cartes grandes sont quand même bien grandes. T'as de quoi déjà te faire un bon truc avec. Hein. Et je t'invite, au cas où, à aller voir ce qu'ils proposent en mode sandbox dans les screenshots du jeu. Parce que pour moi, le screenshot montre vraiment le potentiel du jeu en termes de création. Hein. T'as des gens qui ont fait des grosses, grosses folies. Après, tu peux copier les éléments de décor. Quand tu personnalises ton perso, t'as les persos de base qui existent. Donc voilà, hop, il y a le lapin. Ça, c'est les persos que j'ai débloqués hein, dans le jeu. Donc sinon, ils sont tous débloqués. Genre, t'as la pom-pom girl zombie. Et en fait, ça, c'est les persos de base. Tu peux les faire repopper dans le décor. Sinon, tu peux créer ton propre perso de zéro et le faire popper autant de fois que tu veux dans le décor. Tu vois, et donc, hop, faut changer le chapeau. Décider que ce sera cette coupe de cheveux, tu vois. Décider les bras, les jambes. S'il respire sous l'eau ou pas. S'il a une cape. Bah, regarde, hop là, une cape. Après, t'as ton inventaire, du coup. C'est des bombes, ça? Bombes de pirates, allez hop. Regarde. Pardon, la vache. Je peux viser, normalement, aussi. Je sais plus comment on fait pour viser. Voilà, t'as un pistolet à slime. Ah, c'est fait pour viser, c'est ça. Voilà. Et en fait, le slime, c'est dangereux, ça pique. Tu vois. Et tu peux y jouer à plusieurs. Et donc, rien ne t'empêche. Donc, t'as les éléments que t'as découverts que tu peux faire repopper. Donc là, par exemple, faire popper des robots. On peut très bien... Je sais pas, moi. Alors, tu vois, c'est tous les animaux qui sont verrouillés actuellement, mais... On va prendre un cochon. On va faire popper. Ensuite, on va... Est-ce que j'ai un instrument de musique? J'ai pas l'instrument de musique, dommage. C'est la trompette. Voilà, et tout le monde se met à danser. Regarde la vache derrière. Ça marche avec quasiment tous les animaux. Même au niveau des interactions, vous avez pensé à tellement de choses. Et donc là, c'est les animaux, mais après, t'as donc les différents objets à faire popper. Il y en a quand même déjà beaucoup, que tu viens à l'épicerie et tout. Là, il y a les véhicules. Même que j'avais jamais vu, tu vois. Et ça, c'est les trucs... Qui peuvent être déconstruits déjà, tu vois. Les pose un peu où tu veux. Ouais, quand ça se construit, ça fait ça. Et hop. Passe en vue FPS et voilà. Encore une fois, t'es largement capable de faire la même chose avec ce que t'as sur le jeu. D'ailleurs, je vais pas récupérer ces portes en aventure. On va ressortir un truc d'éclairage. Voilà. Et je trouve ça tellement plus joli qu'un Minecraft ou autre.
Voilà. Et moi, du coup, depuis qu'ils l'ont abandonné, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent un Lego Worlds 2 avec la même chose, mais en encore mieux, quoi. Et avec des gens qui vont pas abandonner le jeu. Ça aurait pu être rigolo, un mode VR pour les fans. Où tu peux poser ta brique, brique par brique. Ça serait fou. Ouais, si on fait popper le bâtiment. Attends, et c'est quel véhicule, là ? Il creuse. Après, je sais pas si j'ai déjà débloqué le véhicule qui creuse. Je crois que je l'ai pas, là. Je l'ai pas. Mais bon, voilà, c'est très complet, quoi. Oui, mais Lego Dimension, j'ai un ou deux trucs comme ça. Je l'ai, Lego Dimension, on n'y a jamais vraiment joué. Peut-être qu'un de ces quatre, dès qu'on y joue. Et... Mince. Voilà. Et du coup, j'avais connu Lego Dimension, mais tu peux pas construire, je crois, sur Lego Dimension, c'est un monde juste créé comme ça, mais imagine Lego Worlds avec tous les mondes de Lego Dimension. Les Simpsons, les... Il y avait même du Lego Knees, il y avait quoi d'autre ? Il y avait des trucs fous avec ça. C'est trop, trop cool. Genre, vraiment. Et coucou Albatros. Bah après, ça dépend des fans. Comme je te dis, manette en main, tu verras, ou même clavier, une fois que tu auras le clavier entre les mains, tu verras qu'il y a des défauts quand même en termes de gameplay. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore abouti. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ils ont fini par mettre une fin au projet Lego Worlds parce que ils avaient besoin de l'équipe de développement sur un autre projet. Et parce que le jeu, quels que soient les DLC qu'ils allaient rajouter, le jeu aurait toujours ses défauts. Donc, j'aimais l'espoir qu'un jour ils nous disent, écoutez les gars, on vous a entendu, on fait un Lego Worlds 2, la même chose, mais sans les problèmes qu'il y avait dans le jeu d'origine. Voilà. Et ce serait fou. Et vous aurez les tonnes de DLC. Actuellement, il y avait un DLC, et je pense que je serais capable de claquer beaucoup d'argent là-dedans. C'est bon, si j'ai les sous, bien sûr, mais genre, ils me sortent un DLC à 40 euros ou t'as Star Wars, c'est foutu, quoi. Tu vois. Voilà. Mais là, tu fais ce que tu veux. Tu peux tout démonter, tu peux faire des batailles à coups de bazooka avec les autres... ou se balancer des bombes, jouer au foot, faire des courses, normalement, dans le décor. C'est beaucoup plus ouvert, en fait. Tu peux construire au-dessus des nuages, en dessous. Mais en fait, le jeu avait eu un certain succès sur les plateaux et tout, et c'est plutôt bien vendu, il me semble, plus que certains jeux de base de Lego. C'est pas le jeu le plus vendu, mais il me semble qu'il s'est quand même bien vendu. Voilà, et on va terminer là-dessus. Hein. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais regarde, j'aime bien montrer ces screens-là parce que c'est joli ce qu'il a fait, le gars. Regarde. Avec le petit marché en dessous, le terraforming qui est réussi. Il y avait un château un peu plus haut. Regarde le marché, là. Tu vois ? Le fameux dragon. Tu vois, il y a quand même des trucs super efficaces. Les gens qui ont construit des trains, parce qu'il n'y a pas de train dans le jeu. Mais regarde, là, par exemple, ce donjon. Tu vois ? Et c'est eux qui m'ont donné envie de faire des Legos avec ça. Et il est là, le fameux véhicule, là, qui creuse. Château, c'est ça, un des châteaux par défaut. Vous pouvez l'importer n'importe quand, n'importe comment dans le jeu. Je trouve ça fou. Ben c'est ce que je me disais, avec tous les gens qui ont fait des folies sur Minecraft, ils débarquent sur Lego. Maintenant, le problème, c'est que Minecraft, tu peux monter un serveur privé et qui restera ouvert 24h sur 24. Je crois pas que ce soit possible avec Lego Worlds. Lego Worlds, je crois qu'il faut que quelqu'un héberge la partie obligatoirement. Donc, ça veut dire que quelqu'un doit laisser le jeu allumé continuellement si tu veux faire un serveur à plusieurs. Du coup, là-dessus, c'était mal pensé. C'est pour ça que je me dis qu'il y avait des choses qui allaient pas sur ce jeu et qu'ils vont travailler sur un projet de Lego Worlds 2. Ben, regarde. Ben, c'est quelqu'un qui est en train de refaire un cyberpunk en décor. Ouais, ça ressemble beaucoup à cyberpunk quand même. Voilà. Sunset à Cyberpunk City, tu vois. Et tu peux copier des morceaux de ville entière. Tu peux très bien te faire un bâtiment, le copier, à condition qu'il ne soit pas trop grand non plus,
Sinon, tu es obligé de le découper en plusieurs morceaux et de le recoller à un autre endroit, tu vois. Tu peux faire des copier-coller, ce qu'il n'y a pas sur... Bon, on a vu que j'ai galéré avec, hein, moi, les copier-coller, mais... Encore le fameux château, avec l'ombre du fameux château. C'est libre, les fameuses mines. On t'explore. Tu as les gorilles et tout, t'as les... Garde. L'intérieur, comme il est beau, là. Tu vois? Et j'aurais tellement aimé qu'ils en rajoutent et qu'ils en rajoutent et qu'ils en mettent plus, toujours plus, partout. Mais le jeu n'a pas été touché depuis 2 ou 3 ans maintenant. Tu vois, il y a des gens qui ont fait vraiment des folies. Regarde. Sérieux? Des rues de Bloodborne? Regarde. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Je sais pas à quel point il s'est vendu sur les consoles. Parce qu'après, sur Switch, par exemple, il est quand même moins sympa. Regarde. Je sais pas si le mec a fait popper la montagne ou s'il était déjà dans le biome de base. Mais ça fonctionne, tu vois. Bah en fait, bah forcément sur Switch, tu peux y jouer, hein, mais ça sera moins impressionnant parce que la distance d'affichage est un peu pétée là-dessus. Mais j'y ai joué sur Switch pendant un moment. J'avais commencé derrière le château qu'on a refait sur PC sur Switch. Il y aura des reflets un peu moins intéressants sur les décors et tout. Tu vois, on n'est pas nombreux à y jouer. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, le jeu. Ah, pas tant que ça, en fait, 1 million. Et tu vois, la dernière fois qu'ils l'ont mis à jour, c'était... Dépôt, c'est là. Il y a 4 ans, la dernière fois qu'ils l'ont touché. Ils n'ont pas eu tout retouché au jeu depuis 4 ans. Ça me rend triste. Sur Steam, il me semble. Et avant, ils faisaient des mises à jour régulières, ils sortaient des petites vidéos avec un présentateur qui présentait les nouveaux produits et tout, c'était trop cool. Normalement, je crois même que tu as un système pour présenter pour filmer des trucs, pour faire tes propres vidéos Lego avec. Mais je suis pas sûr, je vais pas te raconter de bêtises. Mais bon, c'était fou. C'est juste fou, je trouve, comme jeu. Et je veux qu'ils en refassent un, quoi. Normalement, tu peux faire des terrains de course aussi. Je crois qu'il n'y a plus les bons vieux trailers d'avant. Pour voir un peu les biomes. Le mode aventure, c'est un peu ça en fait. Ils te font popper des biomes et c'est à toi d'explorer pour trouver les objets. Pom, 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 pom. Bonne pom, nuit, Drika. Faites pom, de rêves, repasse-toi bien, des bisous. Bonne nuit, les petits. Do you do? Dun, 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 dun.
Voilà. Je joue à plusieurs. À voir combien de temps tu tiendras, il y en a plein qui l'ont essayé, le jeu, ils sont pas restés très très longtemps dessus, mais... Voilà, pour la créa, t'as de quoi te faire plaisir. Voilà, donc tu peux jouer à deux comme ça sur un seul écran. Et du coup, ouais, sur Switch, comme c'est une console qui est pas non plus extrêmement puissante, tu te retrouves dans une situation où tout ce qui est à distance va disparaître très rapidement. Pas le premier trailer, celui-ci, je sais plus. She loves when bricks click into place just right. And most importantly, Jenny loves when things go her way. This is Jenny's friend, Nigel. He's a little different. Has a singular vision, and with the addition of online multiplayer, they can now play, explore, and much to Jenny and Nigel's delight, build together online. Of course, while they have a few slight differences in personal taste, they are excellent collaborators. Disagreements often. Ouais, je me dis, c'était fou. Je suis triste qu'ils l'ont arrêté. And when two creative geniuses like Jenny and Nigel work together online, something truly wonderful can happen. Pourquoi pas, tu vois? Two visions, one world. Bref, allez hop, on va couper la rediffusion ici, on va essayer de préparer quelques paquets de cartes. Et coucou Incodio, comment vas-tu? Je suis sorti en bêta dès qu'il a annoncé le jeu, je me suis jeté dessus. À l'époque, il coûtait 14 euros, maintenant il en coûte 30. Et comme il a été abandonné, peut-être mieux attendre qu'il y ait des réductions pour les acheter, ces jeux-là. Il y a deux DLC qui coûtent 4 euros chacun. Et après, il y en a deux gratuits qui rajoutent des bonus. Avec des nouveaux bâtiments, des trucs inspirés de Ninjago, des requins géants à importer, etc. Mais bon, c'est dommage. Merci pour le lurk. Bon dodo à toi aussi, du coup, Incodio. Repose-toi bien. Et une prochaine fois, des bisous. Du coup, on va couper la rediffusion ici. On n'aura pas beaucoup avancé avec mon fail en début. Mais c'est pas grave. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. Prenez soin de vous. Et à tout de suite, je reviens. On va aller faire quelques paquets de cartes vite fait. On va se remettre de la musique, du coup. Bref, je reviens. À tout. Ba-dum-bum-ba-da-dum-bum-ba-da-dum-bum-ba-da-dum-bum-b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 a-dum-bum